Salut tout le monde, c'est Lutner Excellent. Jodi a nou pote pou yon séance qui très intéressant. Si vous pouvez abonner à la chaîne là, faites ça pour nous s'il vous plaît. Partagez la avec tout contact ou mande fami ou zanmi ou abonner pour nous s'il vous plaît. Si vous pouvez suivre quoi avant yo, m'a encouragé à le suivre yo pour capable joindre tout ça nous te bay avant yo. OK. Pas oublier nous te dit HTML c'est un langage qui utilise des balises et balises ça c'est eux même qui permettent aux structures et mettre dans l'ordre contenu sous page 1 et ces balises ça tout qui indique navigateur comment élément on va le positionner sous page web. Et bien balises ça yo yo regroupé par catégorie. Par exemple, nous gain balises de premier niveau, balises d'en-tête, balises sectionnantes, balise de structuration de texte, balise de formulaire, nous gen balise de table, nous gen balise générique. Eh bien, rete suivre avec moi pour le présenter et puis faire quelques exemples avec dans balise sa yo. OK. Balise premier niveau, c'est lui-même qui structure des pages HTML. Obligatoirement, yo pas jamais pas là, c'est avec ou toujours commencer. Nous gen HTML qui c'est balise principale là là-dedans. Nous gen head, nous gen body. Pas oublier nous te dit head lancer là-dedans toute information qui relative à page la pral placer. Et ben nous dit head là c'est là-dedans élément en tête yo à pied et puis body c'est là-dedans qui pral gagner corps de la page. Là n'a pas les corps de la page. Nous ouais contenu page là. Tout élément qui pral gagner pour positionner sous contenu page là. OK. Nous parlons de HTML, nous parlons de head, de body. Kounya la, nous pral wè balise sectionnante yo. Et bien balise sectionnante yo, c'est au même qui utilisé pour construire squelette page web ou. Ça veut dire toute façon page web ou on pral placer, ou pral besoin balise sa yo. Pour capable utiliser pour créer une page. Par exemple, nous avons une balise header qui gère en tête, nous avons une balise nav, lien principal de navigation, nous avons une balise footer qui fait pied de page, nous avons une balise section qui permet de mettre une section sur une page, nous avons une balise article qui permet de mettre des articles et nous avons une balise acide qui permet de mettre des informations complémentaires sous page ou. Eh bien, nous pral montrer où nous pral montrer où yon si page web très simple côté que nous pral identifier pour chaque partie sa yo. OK guys. On a là nous gen header, pas oublier header li différent de head là, pi gen confond sa yo. Header li même li fait partie de squelette page là. Pendant head là li même, head là c'est information qui relative à page là, c'est là-dedans que vous pouvez le placer yo. Pendant que header nous dit c'est lui-même qui gère en tête page là, laisse ça n'a pas l'idée éléments qui positionné sous page là. Tout dégain en tête là-dedans yo, mais ça pour nous connaît head c'est pour mettre information qui relative à page là, header c'est pour squelette page là. On a le exemple là. N'a regardé partie qui en vert là. Là, c'est partie header. Là-dedans, nous gagnons un nav pour définir balise nav. Ou après c'est un menu partie en tête là. Et puis là, moi gagne et lien de navigation moi yo. Et puis n'a pour product à propos tout ça yo, c'est là-dedans. En tête là, c'est ça qui représente en tête là. Et puis partie en blanc, c'est en section. N'a pour moi gagne un tableau qui gagne des informations là-dedans. Et puis n'a regardé une partie en bas qui gagne un formulaire encore. C'est en l'autre section moi gagne dans squelette page moyen. Et puis pour pied de page là, n'a regardé côté qui marqué F et S là. Et bien c'est lui-même qui footer. N'a regardé pour nous en dans footer, ça sont un pied de page qui assez simple. Mais en dans un pied de page, vous devez mettre n'importe bagaille ou voulez qui a rapport avec pied de page là. Ça très simple.
mais nous-mêmes nous capable faire dans style pan. Là n'a regarder là, j'en moins dit hein. OK. Kounya là, nous pral wè balise en tête yo. Balise en tête yo, j'en nous te dit, yo toujours placé nan head là. Elle dit balise qui pral placer nan head là. C'est balise qui a un rapport avec information qui passe sur page là. OK guys. Par exemple, nous gain link qui gère liaison avec yon feuille de style. Nous pral gain pour nous ça là que nous et rivé dans CSS pour nous faire liaison entre une page HTML avec CSS. Nous gain balise meta nous t'ai parlé de li dans cours avant. Nous gain balise script côté que nous pral mettre code Java script nou yo. Et puis nous gain balise style. C'est là dans nous pral mettre code CSS nou yo. Nou gen balise title ki gen titre page nou an. OK, ou même ki pa gen définition sou balise title, n'ap mande ou pou al suiv kou avant yo pou kapab wè kote nou t'ap pale de yo pou konprann ki sa balise title lan ye. OK, sa pou nou konnen de balise style lan, se ke li menm li itilize lò ke w ap defini propriété CSS ou nan page HTML ou sans que ou pas créer une page CSS à part. Laisse ça ou pas besoin balise style qui pral défini nan partie header. OK guys, nous pral parler nous là des balises de structuration des textes. Yo même yo vraiment en pile. Par exemple, nous gen ABBR qui permet ou met faire une abréviation, nous gen block quote qui permet ou mettre une citation longue, nous gen site qui permet ou faire citation de un événement, nous gain balise qui permet ou faire une citation courte, nous gain sub qui permet ou mettre un exposant, nous gain sub qui permet ou mettre un indice, nous gain strong qui permet ou mettre une valeur en gras, nous gain em qui permet ou mettre une valeur dans style normal sans que li pas en gras. OK, nous pral gain pour nous montrer quelques exemples. Par exemple, nous pral aller là avec balise qui hein pour nous mettre en citation courte pour voir comment li pral paraître sur page. En aller là, nous gain balise qui et puis nous écrit citation courte. Ça c'est texte nous choisi mettre ou même pour ca mettre citation courte pas là. OK, nous bali un petit zoom pour capable voir. En aller là, nous enregistrer contrôle S pour enregistrer. Et puis nous pral regarder. Nous fait clic droit open in browser pour nous regarder. Voilà. On regarder là citation comment li mettre yon double quote dans citation courte là. OK guys. OK, nous voilà là. Eh bien, nous pral regarder pour nous voir comment citation de yon événement pral paraître li même qui style li pral bali. Moun ki fè literature yo ap konnen an pil citation. OK, nou pral gade la pou nou wè, an gade la. OK, nou mete teks an. Et puis nou mete balise site la. OK, nou enregistre. OK, nou enregistre. Et puis nous pral sou page nou an. Nou OK, nou refresh. Exact citation du titre d'une œuvre ou d'un événement. N'a regarder pour nous voir comment li mette style là. Là nous elle paraît en gros, c'est parce que moi bay page là zoom pour nous capable wè puis bien. OK guys. On aller là kounya là. Nous pral regarder pour nous voir comment balise sublan lui-même li marcher, comment ou capable mettre indice là. Par exemple, si m'a écrit H2O, on a regarder pour nous voir, c'est H et puis sub, voilà, regardez comment li paraît. OK. On a essayé écrit H2O sans que nous pas mettre balise sublan pour nous faire une différence pour nous comprendre ça que moi a dit moi là. On aller là, nous seulement venir là. BR nous fait un retour à la ligne et puis n'a écrit H2O. On regarde là, on refresh page. OK. Regardez comment il paraît. On a nos cafés différence balise sublan comment
li paret le ke wap mette yon indice. Ok, kounya la, an gade pou baliz suplan li menm. Nou di suplan ou jizel se pou mette yon exposant, pa en ekri yon ekwasyon, x kare mwes dy plus 4 egal a 0. Ok? Enregistre, ctrl S pou enregistre, epi ale sou navigateur ou refresh page lan. Voilà. X kare mwes dy plus 4 egal a 0. Nou pral fè menm travay la jan nou te fè pou sublan. Nou pral lese ekril san ke nou pral mette baliz sublan pou nou kapab fè diferans lan. An ale la, x, voilà. Ok, nou pral mette de antre su. Ok, an fè an sou de lin. Baliz BR, nou fè an. Ok, voilà. An gade pou nou. La, mwen gen x kare mwes 2x plus 4 egal a 0. Lot la, mwen te gen 2x, x2 ou le de x kare. Ok, nou gen baliz EM. Nou te di ki pemet ou mette yon text nan vale normal li. Strong se pou mette an gra. An al teste pou nou we baliz EM. Pabli e strong nan nou te gen tan teste l nan kou avan yo. An al li la. Ok. EM. Nou pral gade pou nou wè koman li pral mete vale x kare mwes dy plus 4 egal a 0. An al gade pou nou wè. Nou enregistre. An ale la nou refresh. Ok. Voilà. Nou la gade koman li pase vale. Voilà. Kounya la gen yon baliz ki rele mak. Baliz mak la se li menm ki pèmèt ou identifye valeur an de fason pli fasil. Par exemple, si mwen teks, mwen gen yon mo bezwen retrouve fasil, ebe map jis pran mwen mete an dan yon baliz mak. An gade avèm, an gade la, nou mete lukito tek sa ke nou pa met baliz mak, an gade koman la paret. Ok, voilà lukito tek. An retoune. Kounya la an dan baliz P1, nou pral mete lukito tek la an dan on mak. Baliz mak. Si toutfwa mwen mete baliz mak la apre an dan baliz P1, la mache normalman. Men si mete l avan mwen mete baliz P1 an dan, li pap mache. An al gade ki sa bay, an enregistre. Epi nan retoune pou lot ekzanp sou baliz mak la. Ok. An refresh page nou la. Ok. Nou wè koman li mette jaune nan an ba lukito tek la. Kounya la, an retire, an eseye mette lignè apre baliz mak la. Nan pwese selman lukito tek lan lap mette pou nou. Ok. An refresh. Voilà. Sa nou wè pase selman lukito tek lan li mette bak kwa on nan an bal. Paske se li menm ki trouve l nan baliz mak la. Kounya la, an eseye retire baliz mak lan. Nou mette avan, nou pral mette baliz P an dan, nan pou wè li pap mache, nan pou enregistre, epi nou pral gade, nou redwil pou nou fèl pare son sel li, pou kapab wè pi bien. Ok, nou refresh page lan la. Voilà. Nou wè sak pase ya. E menm si mta lese meton background, mta lese meton background, un fond rouge par exemple c'est avec propriété style background red on va essayer même si nous fait ça l'a toujours été comme ça on garder pour tout était OK on essaye là background red non là OK mais ça me dit là refresh page là malgré mon refresh page là le kito tech là il tout était comme ça le pas rien et connait là on prend balise payant. Nou mette baliz mak la an dan. Baliz mak la pral siti an dan baliz pe ya. Nou pral wè, voilà, men rezultat. Pa defo, background nan li toujou joun. Men, ou kapap chanje, nou mette koule pa ou. Si nan li la nou wè mretire background red lan la, mretire l. Nan wè imediatman refresh page la, la pan joun. Ok, voilà.
OK guys, OK. Nous t'ai parlé de H1 pour arriver dans H6, nous t'ai dit comment yo yé ou même qui peut construire pour ça à regarder lui et nous t'ai montré comment insérer image balise image pour mettre image figure pour mettre en figure image soit code etc. Feed caption c'est pour faire description de image là, audio pour mettre en audio, vidéo pour mettre vidéo et puis source pour mettre format vidéo ou bien format audio. OK, nous allons voir avec comment ou capable mettre yon image. Pour mettre image, c'est balise img et puis vous mettez src égal et puis ou aller côté que image ou en ya. Pas oublier nous te gen un folder qui t'est image en dedans fichier formation html et css nous te créé ya. Ah ben image la t'est le lokito qui t'est gen extension jpeg. Nous aller là pour insérer image, si l'on dans folder c'est non folder slash non image point extension image là, et bien folder m'intéresse les images, moi mette image slash non image là qui t'intéresse les lokito et puis point jpeg qui c'est extension. On refresh pour regarder qui ça bail. On aller là. Voilà, mes images moi là, moi réduire, moi retirer dans zoom là pour nous capable voir image là. Mes images moi là, li monter page là et si pas malais moi t'oublier moi mettre png pendant que image moi pas png ou bien m'ta font l'autre erreur pas mettre extension bien l'en al refresh page là n'a image là pas monter on garde bien nous changer extension là nous va regarder pour nous on suivre avec OK nous refresh page là on refresh OK on garde en l'air là n'a image là pas monter petit icône qui en l'air. Voilà, on essaye font erreur dans folder. Voilà, nous mettez S dans image là. N'a pas il pas monter toujours. OK. N'a pas été dans façon normale li et puis nous va refresh page là. OK. Là, nous voyons comment on capable insérer une image. Pour insérer une vidéo, c'est même genre avec un audio seulement pour audio là dans balise audio, pour vidéo là dans balise vidéo. Même gens nous te dit nous te gen un folder qui t'est les images nous gen un folder qui est les vidéos qui n'a même espace là et ben nous aller là nous mettez vidéo et puis nous passer attribut contrôle c'est à l'aide des contrôles là qui permettre vidéo à afficher nous mettez source là folder entre les vidéos non vidéo entre les messi1.mp4 qui c'est extension vidéo voilà mes vidéos là on regarde pour nous OK. Voilà. Nous voyons comment nous capable mettre une vidéo sur une page. OK, balise A c'est lui-même qui permet de faire lien hypertexte. Par exemple, nous capable faire une résurrection soit sortir de une page pour aller dans l'autre page, comme ça tout, nous capable faire de une page avec une page. OK, nous va gagner pour nous ça dans pratique avec. Par exemple, nous gagne menu ça qui en l'air là qui c'est des liens OK qui fait avec des balises A. Nous gagne balise BR balise P BR nous connaissons retour à la ligne P pour paragraphe HR il fait en ligne horizontale. On a laissé avec n'a pas essayé mettre lokito tech en dans balise P et puis nous va mettre en HR pour nous recommencer avant nous va refresh pour nous comment lokito tech là marcher. On regarde avec guys. On aller là, nous refresh page là. Voilà, on balance zoom. OK. Mais lokito tech là. On passe en HR pour nous capable voir très horizontal là il va le faire. Voilà, toutefois nous avons besoin font très horizontal, nous gain temps connait c'est à l'aide HR n'a capable faire. OK, nous gain balise adresse qui permet de mettre en adresse de contact, del pour texte supprimé. Ins pour texte inséré, DFN pour définition, SKBD pour saisir clavier. Et mais kounya là, nous pral parler de balise pré. Nous pral montrer qui sa balise pré a, c'est formatage, li pral formater code sous WAN. Même genre ou mettez balise là, ou mettez élément yo en dedans balise là, c'est comme ça li pral afficher pour on a regarder pour nous. Là moi gagne affichage formaté
pour les codes. Nous dit c'est pour le paraître jamais mettre dans là faut le capable d'en balise prix. Ça dit il va formater code source là gens que moi déposer dans là c'est comme ça la paraît. OK là rapide rapide il pas OK nous elle paraît à la ligne parce qu'elle pas dans balise prix. On garder là pour nous mettre là dans balise prix et puis nous va regarder pour nous avant de refresh page là comment elle était avant et puis l'aime fini refresh page là comment il va le passer dans forme ça l'itéyan. OK on essaie voilà mes commentaires et mes commentaires pour nous. Nous gain balise progress qui permet nous faire en bas les progression et balise time qui permet nous mettre date. OK kounya là nous va parler des balises des listes yo. N'a regarder là nous gain UL qui permet nous faire une liste non ordonnée ou bien une liste non numérotée. Nous gain OL qui permet nous faire une liste numérotée ou bien une liste ordonnée. Nous gain LI c'est là-dedans chaque élément qui va le trouver soit dans liste OL ou bien IL là pour le placer. Chaque élément ça nous va le positionner en dans un LI. Nous gain DL qui c'est liste de définition. Nous gain DT thème à définir et puis nous gain DD qui gagne là-dedans définition du thème. OK, nous pral montrer nous comment nous capable utiliser balise UL là avec balise OL là. Nous dit déjà UL c'est pour liste non ordonnée. Nous pral aller là en garder ensemble. Nous gagne là. OK, andal nous dit n'a mettre. Voilà, nous gagne liste forme et puis nous gagnons jus et puis nous gagnons banane. Voilà, nous avons enregistré et puis nous allons regarder ça. Ça va là. Moi, dis nous gagnons liste non ordonnée. Nous allons voir comment il va le monde. OK, nous allons refresh page moyen en aller là. Voilà, mais comment les monter? N'a pas lui faire un petit boule pour chaque. Comme ça tout, ou capable changer ti boule ça yo, ou capable faire en carré, ou capable faire en rectangle, jongler, faire là. OK guys, on a là, nous va montrer nous comment nous capable faire une liste ordonnée. OK, nous pas besoin écrire l'autre bagaille, mettre l'autre bagaille, nous gain ça yo, n'a juste changer IL là en OL. Nous va le au lieu des petits points. Li pral mette 1, 2, 3. An gade ensemble. Ki sa pral bay. Nap enregistre. OK. Nou enregistre la. Et puis, nou pralé. Nou refresh. Voilà. 1, 2, 3. Nou gen pomme, jus, banane. OK. Guys. L'autre bagay. Kounya la nou pral passer avec balise formulaire yo. N'ap gade la nou gen balise form qui permet ou faire un formulaire. Le n'ap fait un formulaire tout ça qui pral définir en dan n'ap mete la dan balise form. Et puis nou gen fil set, nou gen legend fil set qui permet nou faire un groupe de chants et puis legend lan permet nou mete yon titre dans groupe de chants ça et puis nou gen label qui permet nous mettre en libellé de un champ. Nous gain input. Input là c'est un champ qui permet nous saisir soit un texte ou bien nous capable select là. Et puis nous gain opt group, c'est groupe d'éléments de un liste déroulant. Après tourner sur input là. Input là une fois nous fin bali un type même j'ai dit nous est capable soit texte ou bien un mot de passe ou bien un case à cocher ou bien un bouton. OK, eh bien nous pral montrer nous comment nous capable utiliser. Nous pral passer dans phase et pour nous faire des simulations avec lui pour nous voir comment nous capable créer un input soit des types password soit des types bouton ou bien des types radio ou bien un case à cocher. Là n'a parlé des types radio n'a pas vidéo. OK. On va effacer ça, nous va aller là.
nous te dit n'a créer une balise forme qui va permettre nous créer un formulaire et puis en dedans nous va gagner là en aller fil 7 en dedans fil 7 là nous mettez en légende qui c'est titre fil 7 là titre groupe là en regarder pour groupe d'échange en nous te dit là n'a pas enregistré après ça nous va montrer qui ça ça bail OK en regarder bien là non nous refresh. OK, n'a regardé là pour nous côté formulaire là écrit. C'est légende là qui permet les écrit comme ça. Nous capable passer là mi-temps mais en nous quitter là en attendant n'a pas ça plus devant. Kounya là on essaye mettre un label. Nous dit label là c'est pour nous capable mettre label de un champ. Nous mettez label. OK. Et puis nous va mettre un input. Nous te dit input là c'est un champ qui permet moi saisir soit un texte. OK, type immédiatement mettre comme type texte pardon. Depuis le type texte, m'a capable saisir un texte là-dedans. OK, on regarde là, l'icône excellent. Côté moi taper l'icône excellent. OK. Nous diminuer la zoom là pour nous voir comment il est. OK guys, on arrive là. OK. Kounya la, m'pral montre nou pou tip password la. An ale la, label password, epi tip la nou chanje. Epi nou vini la, nou enregistre. Nou pral gade pou nou e, sa pral bay. Ok, an ale la, voilà, m'ge yon chan password. Na pral kache tout donne mwen mette la dan la. Ok guys. Kounya la, nou kapab mette l de tip date. An ale, na mette l de tip date et puis n'a pas ça ça voilà nous ouais comment nous capable définir input nous OK OK voilà là moi j'ai des petits date nous ouais comment li paraît OK kounya là si m'pa dav le mettre input en des petits date nous capable mettre le type number number moi capable saisir seulement nombre moi pas ca entrer une lettre là-dedans parce que l'idée type number on regarde pour nous qui ça voilà on aller là après là moi capable sélectionner ouais OK il capable sélectionner moi voilà comme ça tout moi ca entrer manuellement OK nous voilà. OK. Pas de problème. On arrive là. OK guys. OK. Kounya la, si moi ta vle mete pour me capable faire choix, j'en veux te dire on dit nous on liste. Yo mette là dedans pour nous choisir une équipe de bagaille, soit pour nous choisir mango, patate et puis ça nous pire mais peu importe, n'a pas fait choix. Eh ben pour nous faire ça, n'a pas changé type input là en checkbox. Checkbox là c'est le même qui va permettre moi créer petit case là qui permettre moi cocher plusieurs ensemble. OK, on aller là par exemple, nous gain pomme, nous gain jus, nous gain sucre. Nous gain doit cliquer pour me sélectionner tous les trois. Comme ça tout, nous doit cliquer me sélectionner une en aller qui ça ça va. Voilà, on capable sélectionner yo. On là OK, me sélectionner ça, me sélectionner ça là. Donc là. OK, c'est à travers des un checkbox moi capable faire ça. Kounya là, nous va parler des types radio. Par exemple, si moi c'est un garçon, moi pas ca une fille en même temps. Et si moi marié, moi pas ca célibataire. Tout ça c'est exemple, on a regardé pour nous. Nous va changer type plan là. N'a brader dans name là. Nous supposé ba yo même nom. Nous mettez sexe. Nous même nous capable de mettre non nous voulons. Si toutefois nous avons mis non en différent, nous allons louer ça la bas après. On regarde là. C'est à travers des mêmes noms. L'homme sélectionné homme, mal sélectionné femme, l'idée sélectionné homme là pour sélectionner femme là. Mais toutefois moins tard les moins bas ou même non, nous allons regarder après tout des à sélectionner ensemble. C'est-à-dire pour créer un type radio, un name là, pas jamais oublier ça. N'a toujours ba yo même nom. C'est à travers des mêmes noms qu'a permettre l'autre cliquer sur une pour l'autre la désélectionner. Si m'ta vinn la moi relé parti input homme nan
nous ta bali name, n'ap gade la, n'ap clique sou homme, l'ap sélectionné, n'ap clique sou femme, l'ap sélectionné. An gade ça avec. Voilà, tout de sélectionné ensemble, c'est parce que nom yo différent. OK, nan name lan y jwenn yo différent. OK, on pense c'est clair, kounya la an retire, nou mete sexe, tout de gen même nom là. Moi enregistré, moi refresh, n'a pas l'aime cliquer sur une, l'autre la désélectionné. Ok, ok, guys, passez, nous comprenons. Voilà. L'autre type encore, nous sommes capables de faire avec input là. Nous sommes capables de créer des types boutons. Nous sommes capables de créer des boutons avec. Eh bien, pour nous créer un bouton, c'est submit pour bouton valider et puis reset pour bouton effacer. Par exemple, n'a pas moi mettre value, value c'est ça qui va apparaître sur bouton. Et puis type là c'est submit, moi dit déjà pour bouton valider et puis moi écrit OK sur bouton. OK c'est le même qui va apparaître sur bouton, moi mettre en dans value. Même genre pour reset là, moi mettre des type reset. On efface homme là. On efface homme là. En effacer femme là pour nous capable pibe. OK là. N'a pas bouton, mon grand bouton OK et puis mon grand bouton reset. On pense nous clair, c'est comme ça nous capable créer bouton pour nous effacer bouton pour nous valider. OK. L'autre bagage encore, nous pral gagner pour montrer nous comment nous capable créer une liste déroulant. Nous t'a parlé pour nous créer une liste déroulant, nous t'ai dit c'est à travers des select et puis chaque option n'a gagné dans liste déroulant, n'a mettre là-dedans en option. Par exemple, nous gagne select, en dans select là nous gagne Haïti, nous va le changer pour nous mettre dans l'autre. Nous gagne France, nous gagne Canada. Statiquement ça normal. Mais les m'a passé au niveau dynamique, m'a besoin value pour mettre. Par exemple, si m'gain France, moi mettre value France. Ça c'est les même qui permet moi récupérer contenu les dans niveau dynamique. Mais là nous dans statique, li pas problème. On regarde là. OK, nous m'gain France, m'gain Haïti par exemple, m'ka cliquer sur lui sur n'importe chat ça moi sélectionner, li monter en l'air. OK. OK guys. OK, OK. Allez essayer nous même. Pour nous faire. OK. L'autre bagarre encore, nous pral passer avec tableau. OK. N'a regardé là, nous avons moins gagne un tableau qui gagne 9 lignes. Et puis chaque ligne yo gagne 2 colonnes. Pour nous créer un tableau, nous pral besoin qui ça, c'est balise table. En la table là nous capable baler un titre à travers des titres caption, nous capable baler ligne. Par exemple chaque ligne nous est là c'est à travers un TR et puis nous passer le TR. TR là c'est lien qui permet de créer ligne. Nous gain TH qui permet de créer une cellule dans tête. Là n'a parlé de cellule dans tête, n'a regardé côté nous qui écrit balise là, côté qui écrit roll là pardon, c'est lui même. C'est comme ça nous capable définir en dans TH. Nous gain TD c'est lui même qui permet de faire colonne yo. N'a pas yo dit nous cellule, et ben chaque colonne n'a garder là c'est un TD représenté. Nous gain T head qui permet nous mettre en section dans tête tableau. Nous gain T body qui permet nous mettre en section sous corps tableau. Nous gain T foot qui permet nous mettre en section dans pied tableau. À noter, n'a pas gardé là, nous gagnons un tableau, nous disons déjà, qui gagne 9 lignes. Eh bien, pour ligne balise roulant, nous dit, pour nous faire titre ça, c'est à travers des TH. C'est TH là qui permet nous gérer cellules dans tête là. Et puis, caption permet nous bail titre avec tableau là. Et n'a pas dit encore, pour nous faire chaque ligne qui dans tableau ça, nous besoin yon balise. TR. En dans TR là, nous pral besoin des colonnes, nous pral définir à travers des TD. OK? M'espérer nous comprendre ça.
Nous pral voir comment nous capable créer un tableau et comment nous capable mettre une cellule dans tête là-dedans, comment nous capable créer des lignes et comment nous capable créer des colonnes. On a regardé ça avec. OK. On a vu là. N'a pas passé ça. On est passé tout ça, on est passé la liste de forme là. Ok. Et puis, nous venons là, nous écrit table. En dans la balise table, nous allons gagner pour nous gagner, nous balions un bord. Si nous besoin li afficher avec un bordure, nous balions qui ont propriété créée le bord. Nous passons la 1, nous passons la 2, nous passons la 3. OK, pas de problème, on avance. Qu'on a nous pral créer yon en tête, cellule en tête là. On te dit pour nous créer cellule en tête là, n'a bien en ligne en dedans, l'a bien deux colonnes là-dedans. Nous même nous pral créer une avec trois colonnes. Nous gagnons TR qui vient en fond ligne là. TR moins dit c'est pour créer des lignes dans tableau. Moi mettre un TR en de TR là, moi va gagner un TH en aller là en de TH là, moi gagner non qui va paraître comme cellule en tête. Après moi va gagner prénom et puis ensuite moi va mettre âge en garder avec. OK, prénom. OK. Passer ça à la ligne pour nous capable de bien. Et puis là nous va gagner âge. OK. Voilà. N'après les moins cliquer m'a écrit en balise, li marqué tag. Et ben tag là c'est balise, li veut dire en anglais. Ça, si m'pa vle di balise, mwen kapab di tag. Si m'pa vle di tag, mwen kapab di balise sans problème. OK, OK. Nou pral gade pou nou, n'ap enregistre ça pou nou comment tèt lan pral paret. OK. An gade bien. Voilà, on refresh. OK, nous voyons comment les paraît. Ça c'est bord du tableau. Nous te bali border 1, c'est le même qui fait bord 1. Si toutefois nous pas mettre 1. Cas ça qui paraît en dedans ou li pas apparaître, nous pas prendre bord du tableau. Et puis nous va laisser mettre des lignes dans tableau. OK. On aller là, nous gagnons un tableau qui gagne trois colonnes. Et ben nous allons mettre un TR pour nous faire première ligne là-dedans. Nous mettons un TR, voilà. OK. En dans TR là, nous dit nous allons gagner un TD qui va définir colonne non. Comme nous gagnons trois colonnes, nous avons gagné trois TD. Dans la première colonne non, nous mettons excellent. On aller là, nous mettons excellent. Nous prenons la deuxième colonne cap toujours en dedans même TR ça en nous copier pour nous coller pour nous capable faire plus rapide. OK, voilà, nous gagnons trois colonnes, n'a plus changer non yo. Trois colonnes ça aussi n'a bien regardé li en dedans yon TR qui veut dire moi gagne en li trois colonnes. Excellent, ligne et puis âge 24. Voilà, m'a enregistré et puis m'va sous page là m'a refresh pour nous voir qui ça ça a ban moi. On avait voilà m'a refresh. OK, n'a pas comment excellent ligne et puis âge pour 24. Si m'ta vle insérer un deuxième moins capable. Nous même nous capable mettre autant de lignes nous voulons dans tableau nous. Moi même on fait là avec
m'a fait laver. 2, m'a mettre en l'autre. OK. Excellent. Et puis Dieu là. Et puis âge 26. OK. Moi enregistrer. OK, on va le refresh par là. Là. Pour nous voir qui ça va le ba nous. Voilà. OK. Noël, nous capable de mettre autant d'éléments nous voulons dans le tableau noir. Pas de problème. Là, nous réduisons, nous petit pour nous recommander de paraître. Nous retirer en retournant. Est-ce que nous, là, guys? J'espère nous comprendre et essayer de faire nous-mêmes. Parce que si vous avez besoin de regarder, vous comprendre, mais tout autant pour vous faire, vous ou pas de jambes connaître si vous comprenez tout le monde. OK. Voilà. Tout de suite après, ça nous pourra le parler. Nous gagnons pour tableau là. Nous finissons par exemple. Nous montrer comment on est capable de créer un tableau et comment on est capable de créer des lignes dans tableau. Nous pourrons parler nous là des balises génériques. OK. Balise générique yo qui ça yo yé. Nous gagnons deux balises génériques. Normalement balise générique yo même, yo pas gain sens. Nous capable dire yo pas gain sens. Contrairement avec l'autre, nous gagnons droit nous gon balise P, nous dit mais PA, il met ton paragraphe, nous gon balise BR, il permet moi faire retour à la ligne. Et bien, nous gagnons deux balises ça qui c'est balise générique. Eh bien, nous capable di bali sa yo même yo pa gen sens. Bali sa yo yo universel, pa gon koto rele yo pou yo pa présent. Ça veut dire depuis me di yo universel, nous gen tan wè c'est des balises qui utilisé en pile. OK? Par exemple, nous gen span. Span nan li même li affiche élément yo li de type inline. Là nous parler de inline, li mette yon à côté de l'autre. Si m'ta gen un nom, m'écris Luc ne par exemple, nan don balise pen, m'écris Luc excellent nom l'autre balise pen, et ben la prend tout de, la mette yon à côté de l'autre. Qui différent de divlan? Si m'ta prend divlan lui-même, moi ta écrit Luc ne nan yon et puis m'écris excellent nan l'autre là, et ben la prend, la mette yon en bas l'autre. Et ben divlan lui-même, li gère élément de façon en bloc et puis span lui-même li gère de façon inline. Et puis nous gagne attribut ça qui marche avec yo. Nous gagne ID. ID en lui-même li supposé unique parce que c'est lui-même qui a identifié balise là, c'est lui-même qui représente balise côté lien, li cap li doué unique. Ou pas capable gagne un ID ou pas capable gagne deux ID en dans yon seul div. Comme ça tu pas capable gagne deux ID en dans un seul span. ID supposé unique. OK, mais pour classe là et puis nous gagne un autre attribut nous capable bayo qui c'est classe. Classe ça lui-même en dans balise yo moi capable bay plusieurs classes qui différent de ID. On dit pour me ID c'est un seul. Non, m'a capable bay ID a, m'a pas capable gen deux ID en dans un div. Mais moi capable gen plusieurs classes en dans un div. Et ben, là nous pral rele yo soit dans partie CSS, dans partie CSS là pour nous représenter ID en pour nous rele li. Et ben, n'a mettre jazz et puis non ID moyen. Capable bay ID
nom vle, pa jam bliye sa, Haïtien pa ka gen plizye nan menm div ou bien nan spen nan, li toujou uni. E pi, pou klas lan li menm, ou kapab bay plizye klas an dan on div. Et puis, de wap le les classes là, wap mette point devant nos classes ou te bay là. Nous pas besoin inquiéter nous, même si nous pas comprendre. Nous pas gain pour nous utiliser ni ID ni classe, les que n'a gain pour nous faire CSS. Nous pas comprendre très bien qui ça qui ID, qui ça qui classe là en pratique. Pas oublier nous dit balise div la c'est un balise générique de type bloc et puis balise spenna c'est un balise générique de type inline. N'a pote exemple pour nous montrer qu'il est un balise de type inline qu'il est li de type bloc. Là n'a parlé de bloc, il va le positionner youn en bas l'autre, et n'a parlé de inline, il va le placer youn à côté de l'autre. OK, même si nous pouvons comprendre j'aime dit nous, mais pas inquiéter nous, n'a comprendre qui ça qui ont div, qui ça qui ont classe. On aller là, nous prenons ba nou exemple de yon div avec yon span. Nous va capable faire différence là, n'a dit inline, n'a dit bloc. Et bien faut montrer nous qui ça qui inline là et qui ça qui bloc là. Tout c'est pas parler dans bouche, mais en nous fait pratique là, en aller là. On a commencé avec span là. Donc là span en balise span. On a écrit dans Lutner. Nous allons l'autre balise span. On a écrit en dans excellent. Après, la prend ni Lutner ni excellent, li va le placer son seul ni. Ça qui nous dit li de type inline. OK, on va enregistrer. On a refresh là. On regarde pour nous li n'est excellent. Il passe yon à côté de l'autre. Qu'on a là, nous pour le montrer nous qui ça div l'en fait lui-même. Pour le montrer nous qui ça div l'en fait. En aller, on va juste mettre div au lieu de span. Div, OK. En bas, moi venir là, moi écrit div. OK, on va enregistrer. Et puis nous allons sur la page là, on a refresh. Voilà. On a placé l'icône en l'air et puis il placé excellent en bas. Nous disons merci ou même qui t'a suivi la vidéo. Pas oublier d'inviter l'autre monde à abonner à la chaîne pour nous. Nous disons merci ou à rejoindre nous pour une autre vidéo qui est plus intéressante. Côté que nous allons entrer dans la partie CSS, nous allons parler qui ça CSS là est. Côté que vous allez commencer à faire design avec propre page ou yo. OK, nous disons merci, merci, merci ou même qui t'a regardé vidéo. Pas oublier like une autre fois. Ciao.